Salut à toutes et à tous, c'est Azox Illusion, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de J'ai débloqué l'or sur. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment le camouflage or, c'est plutôt le camouflage diamant, mais ça sous-entend que j'ai l'arme en or. C'est pour le Locus. Donc c'est un sniper, hein, pour ceux qui savent pas. Oh la vache. Donc je suis toujours avec mon casque. Donc on est parti. Comme j'ai l'arme avec un assez bas niveau, donc j'ai pas beaucoup d'accessoires, mais j'ai quand même voulu faire l'épisode. On va essayer de faire quelque chose quand même. Voilà, bah, je loupe toutes mes balles. Donc, on va essayer de faire quand même un petit truc assez sympa. Oh là là. Désolé, hein, je campe un peu, mais bon. C'est pour lancer un peu la machine, comme on dit. Ah voilà, il était au sniper, il a sorti, je sais pas, une HV40 je crois, un truc comme ça. Hop. C'est pas un ennemi? Mais... Donc voilà. Donc cette fois-ci, hein, le gameplay il sera pas très bon. Hein. Je l'ai peut-être eu en or, mais sinon, dès que j'ai eu le sniper en or, après je suis passé à autre chose. J'aime bien jouer sniper sur Call of Duty, mais bon. Hitmarker, allez. On va faire la petite pupute. Oh non, vas-y. Donc voilà, je suis vraiment désolé. Hein. C'est vraiment pour passer... Je fais cette vidéo, comme ça au moins les snipers... Enfin, le locus sera fait. Après, je ferai pour le prochain épisode de J'ai débloqué l'or sur... Je pense que je ferai sur le SVG. Comme ça, après... Ça sera... Les snipers à verrou seront passés. Oh, headshot. Oh non, Rosa. Vas-y, vas-y, là. Donc aussi, j'ai monté... D'accord. D'accord. J'ai monté le son du jeu, comme ça on entend peut-être un peu mieux. Vu que j'ai un meilleur casque maintenant. Je sais pas si j'ai bien fait. On peut pas passer par-dessus. Donc... Hop. Ah, mais c'est campeuse, là. Oh, putain. Je me fais du 3-6, hein. C'est vraiment pas top, mais bon. Au moins, ça sera fait. Oh. Vas-y, on va partir. Parce qu'après, il va me tuer. Où ils sont, les gens ? Ça fait bizarre de jouer avec le son, moi qui joue jamais au son, j'ai toujours de la musique dans les oreilles. Oh la balle que je loupe là. J'ai pas à louper ça normalement. Oh la vache, je sais pas combien j'ai loupé de balles, 5 je crois, il y a 10 balles dans le chargeur. Ouais c'est ça, 5. Et à la place que le gars il était tranquille, j'aurais pu le tuer tranquille. Eh ben non, faut que je me loupe. Hop là. Oh, collaté de shot. Lourd. Oh, ça, ça fait plaisir, la petite collaté de shot, là. Ça réveille le truc. Hop là. 2-3 petits coups de lag. Aïe. Oh, ma connexion. Oh là là. J'espère que j'ai pas mis le son du jeu trop fort, parce que, en tout cas, moi, dans mes oreilles, il est bien fort. Je sais pas si ça se dit bien fort, je crois pas. Mais voilà. Au moins. Voilà. Ah dommage. Bon j'ai remonté, hein, je me fais du 7-8. Donc voilà. Donc ce sniper, il fait beaucoup penser au balista, un mélange du balista et du DSR sur BO2. Enfin surtout de balista. Voilà. Oh non, j'aurais pu.
Mais il fait pas mal de marqueurs, je sais pas s'il y a eu des patchs et tout ça, mais en tout cas il en fait pas mal. Après si on vise dans le haut du corps, ça passe, mais sinon faut quand même viser assez haut. Parce que sinon les sites marqueurs sont assez présents sur ce sniper. C'est pas comme le SVG c'est un bon sniper. Il a un temps pour remettre la balle dans le chargeur assez long, mais il est bien parce qu'il fait pas d'hit marqueur. Oh là là, je me fais du 10-11, donc voilà. Pour la première partie au sniper de la journée, je trouve ça pas trop mal. Ça passe. Ok, qu'est-ce que j'ai voulu faire là? Je sais même pas. Headshot. Oh, la connexion. Oh la vache. J'ai vraiment une connexion en carton ici. Mais bon, hein. On va pas s'en plaindre. C'est bon, ça passe. Les balles, elles commencent à rentrer là. Ça passe. 12-12 au sniper. Ça fait plaisir. Je vais pas jouer à la tempête. On va pas la sortir. Non, y a personne. Donc pour le sniper, hein, je pense que j'ai presque tout dit en tout cas. Ah, dommage. Après, comme j'ai pas beaucoup d'accessoires, hein, je vais vous montrer ma classe vite fait. J'ai que le processeur balistique sur le sniper. Vu que j'ai rien débloqué, parce que je l'ai niveau. Ben, je l'ai que niveau 5, donc j'ai rien dessus pour l'instant. À part des vieux viseurs pourris et tout ça. Il y a un viseur aussi sur ce jeu qui me rappelle beaucoup un ancien viseur, c'est le thermique. Il est aussi puissant que sur Ghost. Il est vraiment, c'est un excellent viseur le thermique, je trouve. Il y a vraiment un contraste entre le rouge et le bleu. On voit bien les ennemis. En plus, on peut mettre des différents réticules dans le viseur thermique, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je sais que j'utilise celui de base, mais ah, c'est vraiment dégueulasse le bruit. Mais bon, voilà. Ok. Donc comme d'habitude, on se laissera sur les stats de l'arme. Donc là, cette fois-ci, c'est le locus. Et puis, on coupera la vidéo sur ça. La partie va bientôt se terminer. Quoi? Non. Mais non, j'avais ma connexion. Putain. Le gars, j'arrive à lui faire un hit marker à la place, le gars, il bougeait pas. Mais bon. Je suis désolé, là, j'étais dessus, hein. Non, mais la connexion là, où t'es où là? Elle a disparu là, voilà, je suis reparti. 12-17. Je fais vraiment de la merde maintenant. Donc il avait repris à un moment. Mais bon. En tout cas, ce que je vais retenir, c'est que le locus, sans ses bons accessoires, il est pas terrible. Mais bon, hein, j'ai quand même fait une collate headshot. Donc je suis plutôt content. Je crois que c'est la première, vu que j'ai pas trop joué au locus. Hop, headshot. Tiens, j'ai débloqué le chargeur rapide. Parfait. Une guetteuse. What? Spécialiste s'appelle. C'est guetteuse? Je te parie qu'en faisant le tour, il y a déjà quelqu'un qui est venu au spot. Voilà. Ah si, voilà, il y avait quelqu'un. Donc voilà, je finis en 14-17. C'est pas trop mal. Quoi, j'ai fait que 80 kills? Non, j'ai fait 480 kills. Oh! Ah ouais, lui, il a pas peur. Hein. Oh, on me voit. Ah oui, je suis passé devant. Je savais qu'il y avait quelqu'un. J'en étais sûr qu'il avait fait le tour. Ah, locus en or. Nickel. Ah, je suis quatrième. Je pensais que j'étais sur le podium. Dommage. On verra pas ma petite tête. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire? Hop. Le petit hotline bling de Drake. Nickel. C'est bien. Elle a bien appris sa chorégraphie. Donc vous voyez, un niveau 55. Je vais bientôt passer le prestige. Voilà. Allez, go. On va aller voir
la comparative de l'arme. Dites-moi dans les commentaires quelle arme vous voulez pour le prochain épisode. Moi, je pense partir sur le SVG 100. Quoique. Bah, je vais vous donner deux armes et vous allez me dire laquelle choisir. Je pense que ça sera soit un pompe. Je pense le KRM. On va pas refaire un sniper en fait. Donc, on va vite fait mettre le chargeur rapide. On va quitter le salon. Ok. Donc, voilà le petit sniper en diamant, ça fait plaisir. Donc, vous allez me dire, on va aller sur une classe. Quoi, j'ai une classe dingo? Je savais pas. Soit on va partir sur la CUDA que j'ai en or. Bien sûr, hein, bah oui, je suis bête de rajouter que je l'ai en or à la place que j'ai. Enfin bon, bref. Donc soit la CUDA, soit le KRM. Donc dites-moi dans les commentaires. Moi je pencherai plus vers le KRM, mais bon, dites-moi. Dites-moi ça dans les commentaires. Ok. Donc voilà, les statistiques, les dégâts ils sont un peu élevés. Donc il manque combien de barres? Il manque 6 barres pour le locus. Et le SVG, il en manque. SVG, il en manque 4. Ouais, voilà, il est plus puissant le SVG. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de liker. Commenter cette vidéo. Abonnez-vous. Si elle vous a pas plu, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Likez, enfin ça j'ai déjà dit. Donc voilà, allez, salut tout le monde!